Donc, faut faire quoi déjà? Ah oui, les boss. Alors, dans l'ordre. Tuer Odeg. Acte 1, champ du malheur. Acte 1, Odeg. Il est où? Dommage, c'est pas une prime. Dommage. Odeg, t'es où mon pote? Odeg, c'est là. Go. En tourment quoi ça? Tourment 4, on est là. Ouais, mais Odeg. Tourment oui, c'est 4. Le porteur de clé, ouais. Toujours. Je fais que lire, hein. C'est mon super pouvoir, c'est moi toujours. Ok, bon, on encule les mobs. Ouh, allez. Et ça, et normalement, c'est la tête. En fait, ça marche pas du tout. Est-ce que tu sais lire, Bouki? Il faut encore attendre. Bon, y'a des flèches voraces qui passent, mais par contre, ça fait pas cumuler les trucs, car c'est nul. Ouais, je fais quand même beaucoup, on fait quand même beaucoup moins de dégâts qu'avant. Mais regarde la vitesse que je passe encore. T'es où? Mais est-ce que tu fais du DPS? Non, pas vraiment. Plus de fureur. Le mec, c'est Flash Gordon, mais il tape pas. Il faut encore. C'est Flash Gordon avec un corps de lâche. JPP. Aïe aïe aïe. Les anciens me bénissent. Ce n'est pas encore c'est rigolo. Alors. Je dois trouver. C'est rigolo, mais tu sers à rien, quoi. Lâche Gordon, du coup, je valide la blague. Je valide la blague. Bon, alors attends, on va s'arrêter deux secondes. Je deviens. Déjà, parce que ça file lâche. Je crois que je fais un peu mal, non? Je sais pas. Pas assez de fureur. Bah, regarde tes dégâts, j'en sais rien, moi. Ah, mais je sais ce que je veux. Ah mais faut que je change mon attaque automatique en fait, enfin... Je suis censé régénérer plus de haine, sauf que je suis au max de haine là, vu que je bats le jambal en son stop. Faut savoir que les porteurs de clés sont jamais des primes, d'accord. Ah oui là, le truc en fait de chapitre 4, c'est qu'on doit faire les 4 porteurs de clés, c'est ça? Ok. Ouais. Bon, peut-on aller vers le boss? Non mais c'est ah, débile. J'y vais. C'est ça en fait, t'es une Beyblade. Faut encore... Ah mon dieu, c'est quoi ce fait? Ah vraiment, les signes, c'est fou. Ah JPP putain. Mes coups vont plus de fureur. Pas encore. Je sais pas en fait, est-ce que tu fais des gros chiffres par rapport à avant? Ah le truc c'est qu'il y en a tellement là, c'est bon. Ce n'est pas encore prêt. Ah non, c'est moins gros, mais avant je dépensais toute ma haine. Non mais attends, non mais parce que là je dépense rien. Ah, pas du tout. Ça a l'air mieux. Pas encore. Ah oui, mais sauf qu'après, mes auto-attaques elles font 27 700. Il me manque un peu. Tu fais du dégât quand tu sors du tourbillon? Non, non, j'en fais là, mais en gros, je balance en même temps mes auto-attaques là, tu vois. Et elles font mal. Je dois trouver la fureur. Et est-ce que. Elles font mal, vite fait. Mais attends, y'a Oleg, y'a Oleg. Odeg. Y'a le bon bro, y'a le bro. Ah, je suis niqué là. Ah, par contre, joli, je suis bien niqué. Sauf que là, en fait, ça fait pas mal. Cette créature doit mourir. Parce que mes attaques auto là, elles font plus régénérer ma haine. J'arrête. Je suis pas sûr de tout comprendre, hein, je t'avoue. Alors, en fait, je suis à 100% de ma ressource tout le temps, alors que normalement, la rafale, c'est censé qu'on dépense. Généralement, la ressource, c'est mieux quand on la dépense. Oui, mais là, je la dépense, mais elle régène plus que je dépense. Mes blessures sont graves. Ah, je prends cher en vrai, là, attends. Oh, bah, je suis mort. Ah, moi, je prends. Alors, ça, c'est sûr que. Attends, j'ai combien de ressources? Tu ne fais rien, mais tu ne prends rien, c'est ça? J'ai 76 millions de résistance. Ah, j'ai que 40 millions, putain. Ah, oui, mais ah, mais il y a un jaune en même temps, je crois. Ouais, on a un jaune. Go jaune. C'est lui qui nous fait chier. C'est Anarchis. Enfin, il y a full poison. Je sais pas. Non, non, c'est Oleg. C'est Oleg. Sacré Oleg, il y a toujours le mot pourrir, ce garçon. Non, le porte. Il faut encore. Il me faut des soins. Non, mais là, c'est aller nul à chier, ma spé. C'est incroyable. Correspond à rien. C'est vrai que j'ai été nerf avec deux pièces de 7 ans. Moi je pense plutôt, sans méchanceté, que t'as peut-être pas compris. Généralement le problème c'est souvent la tarfache à ce clavier quand même. Hein. Pour moi, pour toi, pour tout le monde, hein, attention. Hein. Je dois trouver la fureur. Non, non, mais c'est que j'ai mal build. Ah oui, t'as mal build, c'est ça que je dis, tarfache à ce clavier. Ce n'est pas encore c'est infâme. Hein. Arrête. Parce que là c'est moi qui fais tous les DPS, c'est ça. Ah bah c'est chaud quoi. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer des fusées. Tu
Ah merde, on pourchasse un gobelin au trésor. What? Mais non. Merde, non mais on a un boss plus un élite. Ce pas encore prêt. Ah putain, il y a un gobelin aussi. Ah mais je crois que ça faisait super longtemps qu'il y avait le gobelin, non? Il est parti? Ah bah ouais, je pense qu'il s'est cassé il y a un quart d'heure. Vous avez pas du tout eu. Alors ok, moi j'ai... C'est dommage. En tourment... Notre premier gobelin tourment 4, c'est dommage. Ah bah... On l'aurait jamais tué parce que... Il faut encore attendre. Mais tu tapes au lac, toi ou pas? Mais non, je t'ai dit que je faisais le jaune d'abord. Mais t'es, si t'écoutais, putain, aussi. Ce n'est pas encore prêt. Ah, putain. Non, mais clairement, la speed, elle sert à rien. Enfin, tout l'aspect sert à rien. C'est bon, le jaune est mort. Il est où, Odeg? Au moins, j'ai de la robustesse et de la speed. Super. C'est cool, c'est qu'on passe en tour manquage, je suis solo, quoi. Ok, putain. Ah, là... C'est quoi, ça? Machine infernale. Générateur de portail légendaire. Les anciens me bénissent. Ça, ça fait un truc stylé, c'est ça? Une clé, mais bon, vu que c'est un porteur de clé. Machine infernale de regret. Ouvre un portail vers le royaume du regret. Utilisable dans une demeure corrompue cachée dans le nouvel Tristram. Sauf que le but, c'est d'avoir les... toutes les machines avant de les utiliser. Ah, il se passe un truc spécial quand tu les as toutes, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, moi, ah, ça en fait... Non, mais en fait, t'as une compo à aller chercher dans chaque machine. Et ensuite, tu peux crafter un anneau super simple. Faut aller chercher vos gemmes épiques aussi, les mecs. Je sais même pas ce que c'est une gemme épique. Ah oui, c'est pas con. Je sais pas de quoi il parle, moi. Je rappelle, je suis... Mais c'est en Greater Rift, on a pas... Je suis toujours un noob, hein. Ça n'a pas changé. C'est... Enfin... Non, dans les failles supérieures, t'as des gemmes légendaires. Ah, y'a un noob. Sur les anneaux et les amulettes. Et ça fait mal? Oui, c'est... Mais après, le but, c'est de les évoluer, mais on a le temps. Bon, on a fait Odeg, très bien. Attends, je change ma spé nu. Ah, c'est pas possible. Est-ce qu'on ferait pas d'abord... Attends, parce que là, donc... Le prochain... Ah oui, le prochain, bah forcément, c'est le... C'est le X-Factor pour monter dans les tourments. Ah! Ah! Mais on a pas de clé. Et pour faire une clé, faut qu'on fasse une faille normale, c'est ça? C'est ça. On peut faire une faille normale aussi. Est-ce qu'on a forcément... On est libre. Est-ce qu'on est forcément une clé quand on fait une faille normale? Est-ce que... Oui. Ok. En gros, tu fais une faille normale. On a même plusieurs tout le monde de tournoi. Pour pas avoir à refaire à chaque fois une faille pour une. Et on est d'accord que tout mon fric, je peux le claquer chez Kadala. La fortune sourit aux audacieux. Hein? Oui, je l'ai utilisé pour passer un cap, pour gagner les 200 de dégâts, là, c'était fabuleux. Attends, arme. Hop. Quoi? Mais c'est, je ne savais même pas que j'avais ça. C'est un peu nul, les loups qui a le fil, la Kadala. Attends, que t'appelles légendaire, ça. C'est un peu de la merde. Est-ce que c'est pas un peu une connasse, Kadala? C'est pour ça qu'il faut... Ouais, mais toi, t'as pris... J'ai pris deux armes. Et prends des... Regarde les jambes, là, t'as les jambes. C'est vrai, j'ai pas les bonnes jambes. Bon, c'est quand même de la merde, hein. Ça change pas le... Kadala, c'est du casino, oh putain. Ah oui. Kadala, focus la ceinture. Ah bon? Pourquoi il y a une ceinture cheatée? Non, mais... C'est quoi, ça, encore? Non, mais c'est full endgame, là, vous parlez. Déjà qu'il focus, qui synergise avec ses ancêtres. Parce oui. Une ceinture complètement pétée en endgame, oui. À part s'il a une ceinture qui synergise avec son... Bah justement. Vous me semblez avoir besoin d'un nouvel objet. Oui, mais dites pourquoi, parce que... C'est vrai, dites pourquoi. Ceinture. Ah bah voilà. Il y a une ceinture pour frénésie. Ah bah voilà. Voilà. Tu vois? Mais après, est-ce que le 7, je vais pas avoir frénésie dessus? Les deux dernières pièces de 7, c'est quoi? Ah non, il y a pas... Non, jambière. Jambière et... Il manque quoi? Jambière et... Merde, c'est où déjà? C'est là. Jambière et... C'est le torse que j'ai pas? C'est ça, jambière et torse. Ah oui, d'accord, donc ceinture, je fais autre chose. Ceinture pour frénésie. Bon, bah on va acheter les ceintures. J'ai plus de sang, dommage. Alors. Bon, est-ce qu'on essaie pas de faire une petite prime? Prime de l'acteur 1, là. Attends, parce que moi, c'est toujours sûr. J'ai appris de lancer le live quand? Demain, vu l'heure. Quand je me réveille. Y a pas d'heure. En fait, en gros, je fais 24 heures du moment où je me... Enfin... Genre, je me réveille, je rends les chiens, je mange, je
enfin je prends la douche aussi, je prends un gros dégueulasse, et je lance le live quand je lance le live. Il n'y a pas d'heure de lancement. C'est juste que je lancerai une heure X demain, et je terminerai à 7h X plus 24 dimanche. Enfin demain, aujourd'hui quoi. Enfin bref, oh. Tu peux lancer à 23h ça. Je peux, c'est pas très utile ça. Et voilà. Bon, tu t'en sors avec ta spé, toi, tu me bah fais. Oui, oui, mais attends, je dois un peu réfléchir. Je sais que c'est. Ce que je vais faire, c'est ça. Quelle classe en solo. Mais j'en ai foutrement au cul des M Killing. Je suis un noob complet. Ouais, lis le titre M Killing. Je t'en supplie, lis mon titre, je te promets. Bah, moi, je vais dormir. Bonne nuit à toi. De toute façon, Lou, tu seras là demain. On le sait. Tout à l'heure, demain, après-demain, tu seras là. Voilà. Back the Well vient d'arriver au Canada, finalement, la mage. Tout est dans le titre, je te promets que je ne cache rien. Ça sent la nuit blanche et le pour ceux qui connaissent le DH, est-ce qu'il y a une attaque de base qui lance des fûts? La ceinture donne la frénésie, l'effet de toutes ses runes. Pour ceux qui ne connaissent pas le DH, ça ne veut rien dire cette phrase. La ceinture donne la frénésie, l'effet de toutes ses runes et augmente ses dégâts de celui-ci de 400%. Ah ouais. Donc plus les 2000% du 6 pièces. Alors toutes les runes, ça fait quoi? Ça c'est pas mal. Ce serait rigolo ça. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Oui, oui. Oui, elle est pas mal, effectivement. C'est pas déplaisant. Pas déplaisant, effectivement. Bon, on va prendre ça, écoute. Ça devrait être un peu plus de réussite. Sauf que c'est pas additif, c'est multiplicatif. Ah, c'est pas genre 2400%, c'est plus compliqué, c'est les, ouais, c'est ça, les maths. Ouais. Ok, je vois l'idée. Enfin, je crois. Nerf d'acier. Non, c'est bien, ouais. Moi, j'aime bien mon build, là. Mon Pookie. Je suis ok. On fait des primes ou on continue à faire les trucs de chapitre? Non, les... Choisis. Pourquoi des primes? Pourquoi tu veux faire des primes? Bon, pour du stuff, on va dans ce cas-là, Sokar. Non, go chapitre. Go Sokar, alors. Sokar, acte 2. Ils ont dit qu'il était où, déjà? J'ai oublié. Ah, il y a une petite clé à côté du... Il y a une petite clé? Une clé noulette? Ah oui, vu. Ok. Ah, mais et en plus de ça, il y a la prime. Bon. Ouais. On peut dire là. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Plus de fureur. Que là, tourment 4, c'est quand même un challenge. Sokar, le Guaou le plus dégueulasse de tout SG. Ce n'est pas encore prêt. Pas la ref encore. J'en suis pas encore là dans SG. Épisode 13, on a pas eu le temps de regarder depuis. Hein. En même temps, si vous regardez tous mes précédents lives, je crois que le plus petit live depuis une semaine, ça va être genre 8h. C'est le plus petit. Hein. Tu refais à nouveau du DPS ou pas? Ça donne quoi? Ça a l'air de descendre plus vite que tout à l'heure, après on n'est pas sur les gros mobs quoi. Ah vrai, on vient de passer en tournant 4. C'est vrai. Ça se trouve, a été super bien testé tout à l'heure. Non. Non, c'est pas possible. Ah, ok, gros lard bleu hein. C'est parti. Ah, SP était bien, mais c'est juste que les trucs qui servent à rien. Donc, le renvoi de dégâts. Ok. Je sais toujours pas si c'est bien. Comment ça, tu sais pas si c'est bien? Bah, si mes runes ou mes passifs sont vraiment utiles. Pas encore. C'est relou celui-là avec ses. Ah, souffle de la mort, nice. Écoute, on arrive à les tuer, hein, déjà. On arrive à les tuer. C'est vrai qu'on arrive à tuer des bleus et sans prendre trop de dégâts, donc c'est que c'est pas si mal. Je suis pas encore prêt. Tu vas trop vite avec ce score. Par contre, toi, tu vas très très vite, hein. C'est Beyblade 3000 ton bordel. J'ai aucun passif de vitesse, quoi. Avalanche, c'est vraiment gold, là, comme truc. En fait, je suis au max de la vitesse, je pense. Attends, on va aller sud depuis une heure. Parce que moi, j'étais bien une petite prime, une petite cache, là. C'est toujours sympa, une petite cache. Mais oui.
Ah. Ah ouais. Ok, alors attends. Belle, beau backseat indirect, hein, Jérémy. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime. J'aime la finesse en mode, je sais pas si t'as vu. Pas mal. Non, mais j'admire le... Pas encore. J'admire l'effort, hein, c'est beau. C'est... Je dois trouver la fureur. Y a un travail effectué, c'est beau, c'est beau. Encore c'est beau. Attendre. Oui, parce que si tu pensais que j'allais pas le voir, me prends pas pour un con quand même, hein, bon. Je suis pas un génie de Diablo 3, mais je suis pas le pingouin le moins aiguisé de la banquise quand même non plus, hein. Bon. C'est un backseat, hein, déguisé. Ah oui, non, mais je fais des 2 millions en chaque fois. Encore des 10 millions? Non, 2 millions. Ah. Ok. Et parce que sinon, je te dis, tu vas tout droit, je te laisse passer, hein. Les anciens. Ouais, mais alors la question, c'est que quelque chose change. Peut-être ça. Présence inspirante, en fait, la durée de mon cri est doublée. Ok, ouais, ok, on va essayer avec ça. Je vais te régénérer ta vie, Pookie. Bon, après, toi, tu es immortel déjà, donc bon. Ouais, là. Bah, j'ai même pris. En fait, j'ai un passif depuis le début. Fait que je peux. Enfin, si je meurs, ça me régène à 50%, tu sais, avec un CP. Ça va jamais pas. Pas encore. C'est toi qui... J'ai un buff de pigeon, ça doit être toi, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est... Ce n'est pas encore vrai. Bon alors, il est où, Jissian, là? Allez, là. Allez, c'est parti, full ulti. Éclater sa gueule. Pas encore. Bon, bah, on lui fait mal, écoute, hein, ça va? Oh, ouais. Il faut encore. Ah, on est un peu plus lent, quoi, mais bon. Ça, on faut les faire en tombant en 4, hein, donc y'a pas le choix. En vrai, écoutez, c'est pas si mal le chat. Pas encore prêt. Pour lui tomber en 4. Pas assez de fureur. On prend quasiment pas de dégâts. On est un peu lent à descendre, mais bon. On va avoir des blouts, quoi. Ok, bon, on remonte vers le porteur de clé. Comme ça, là, on va faire prime plus porteur de clé. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors. Par contre, les loots, ça se raréfie. Hein. Les bons loots, je veux dire. Et là, on a rien. Attends, il y a un pylône à droite. Hein, c'est quoi? Ah, on a déjà pris. Merde. Ah, je fonce sur le porteur. Hein. Ah, il y a des bleus avant. Bon, c'est parti pour les bleus. Par contre, je veux bien un conseil à la limite. Autant juste encore, en clic droit, vous mettez quoi avec frénésie, vous d'habitude? Kathos, guide mon bras. Ben, je trouve ça bien déchirure pour le coup, mais bon. Comme c'est ça, j'ai. Encore prêt. Je le remets toutes les 5 secondes en fait, la déchirure. Putain, ta vitesse d'attaque, ça me. Enfin, ta vitesse de déplacement, ça me fume. Pas encore. Tester un truc. Et là ils vont me dire charge ou choc perso. Charge ou choc. Alors choc c'est quoi? Charge, je l'ai vu. Ah mais c'est vrai que je peux mettre deux gros trucs. Ok attends. Clic gauche, moi je mets. Non, clic droit. Ah, remonteur de ressources. Un remonteur de ressources, un clic droit, un dépenseur de ressources. Oui mais ça c'est. Oui. Sur la souris, je mets que les sorts que je ne spam pas perso. Ah ouais? Ah, on joue très différemment. Bon, très bien. Choc terrestre, je prends en français. Quand ils sont glacés, ça marche aussi, toi, non? Oui. Ou c'est gelé, parce que c'est pas pareil. Ah, c'est glacé, je crois. C'est... gelé, excuse-moi. Gelé. Je suis pas sûr que ça existe. Glacé, je crois que c'est juste... Voilà. Gelé. Jusqu'à 50 mètres devant vous. Est-ce que tu préfères... que j'essaie de stun les mecs à 20% pendant une seconde 5 ou juste je focus mes dommages? Où tu? Focus mes dommages. 20% pendant une seconde? Non, non, Osef. Va taper. Non, non, parce que je vais en larguer beaucoup.
De quoi? De stun? Ouais. Comme tu veux. Test, Pierre. Bon là viens, par contre j'ai mis j'ai poulé le boss. Ah, dommage que ce soit pas là, ça aurait fait mal. Ce n'est pas encore prêt. Ah, prime remportée, nice. Il faut encore attendre. Petite prime passive, pépère. Cookie, si tu viens pas, je vais tuer le mob, hein. C'est ça. Plus de fureur. J'arrive. Ah, en plus, j'ai pas ma spell. Pas encore. En plus, quoi, Tali? J'ai pas ma vitesse, Superman. Allez, c'est parti. Ouais, là, c'est pas mal. Oh putain. Ce n'est pas encore prêt. Si, si, tu fais mal, hein. Ah ouais, je... ouais, il tombe beaucoup plus vite depuis que t'es là, quand même. Ça se voit. Il faut. Donc là, tu as pris le dégât ou le stun au final? Le stun, je crois. Ok. Comment ça, je crois? Tu viens de pas passer de. Non, non, parce que j'ai regardé un autre truc. Pas encore. Ce que je sais, j'ai l'impression qu'on perd ma stun en plus. Moi je trouve ça vachement cool des chiures en vrai, ça consomme bien la fureur. Pas encore prêt. Ça fait mal. Ma allez l'ulti. Il faut encore attendre. Ok. Oh j'ai vu. Ah on a eu la deuxième machine. Ça loot à 100%, on est d'accord? Non. Ah, ah bon? Peut-être qu'en tournement 4, oui. Oui c'est en tournement 4 je pense. C'est pour ça que le chapitre nous dit justement de le faire en tournement 4. Ouais peut-être. Le bon sens, c'était tout ça. Les anciens me bénissent. Alors, ok, le prochain, Xarit, acte 3. De toute façon, on a fait la prime, c'est cool, ça fait un petit bonus sympa. Xarit, acte 3, la petite clé, elle est où? Allez là, fort de pierre. Et c'est parti. Alors, entrer dans les remparts de la couronne céleste. Ah, ça c'est la prime, Osef. C'est moi ou Pookie s'il est encore AFK? Non, je veux. JPP. Ça fait quoi ton buff? Ah, le gage supplémentaire, ok. Pas encore. T'as l'air d'avoir une vitesse, mais c'est... Donc en fait, tu te balades et t'es immortel, globalement. Ouais, en... Ah, y'a Dragus, y'a un élite. C'est pour ça, en vrai, je pense que... Quand je fais ma rafale, j'ai un moyen. Il y a une rune où je pose de la glace qui fait 300% des dommages, qui est énorme en 55 secondes et je peux en prendre. Il faut encore attendre. Peut-être ça l'aspect. Oh, yeah. Pas encore. Je sais pas si ça valait le coup le cri en plus hein. Ce n'est pas encore vrai. En vrai. Je suis pas convaincu hein. Il te fait quoi à part la durée? Parce que la durée. Ça heal en zone mais comme on prend pas de dégâts. Non, je suis pas convaincu du tout hein. Faites en s'inspirante. J'ai un truc qui me fait taper là moi. Il faut que je. Il me faut du DPS. Genre ouais, genre bagarreur par exemple. Oui, non, mais les grenades, elles sont. Pardon? Non, les grenades que je lance avec Rafale en fait elles sont méga moches. Comme ça, là j'ai 20% de dégâts en plus en perma. C'est pas mal comme ça. Ah! Ah non, cogne face. C'est autre chose. Pas encore.
Ouais, parce que quand on dit qu'on double les dégâts, ça double tous mes dégâts aussi, mon dot et tout, quoi, quand il est stun. Donc ouais, sachant que dot fait des dégâts abominables, c'est pété, quoi. Faut encore attendre. Ok. Alors, il est pas loin. Ok. Et il est là. Ce n'est pas encore prêt. Salut Xarit. Dommage, j'ai plus mon berserker. Ah! Oula, pas encore. C'est ça. Les trucs qui m'immobilisent ou me stun, ça va me calmer. En deux secondes, tu prends cher, c'est ça? Ah ouais, ouais. Il est où le vrai? Il est pas déjà mort? Non. Ce n'est pas encore. Ah, il est là. Prêt. Encore 700 millions de points de vie, ça fait long. J'ai pas mon berserk en plus. Viens là, salaud. Ah ouais, non, mais si en plus il nous brain. Moi je suis pas un point de vente réfuté. Y'a un jaune, oh putain. Il est où le jaune? Aïe! Oh, mes points de vie, j'ai pas eu. Je reprends. Ah, ok, je suis sur le jaune. Bon. Ok. Je suis passé sur le jaune, Pookie, si tu veux. Enfin, en vrai, j'ai les deux sur la gueule. On bourre en AOE. C'est pas comme si je pouvais viser. Il faut encore attendre. Oh là là. Oh là là. Pas encore. Putain, quel bordel! Ah, alors je l'ai, c'est chiant quand même. Putain, ça me fait mal ça. N'est pas encore. Je crois que c'est le vrai jaune, ça. Ah, c'est l'orbe gelé, ça me détruit la gueule, moi. Toi, ce qui est bien, c'est que tu peux en sortir vite. Putain, mais c'est ouais, qui le met? Ouais, c'est le jaune. Okay. Ça go fumer le jaune, hein, si tu peux. Et moi, ce qui est dur, c'est de rester sur place. Ça doit être lui, le vrai jaune, là. Il faut encore attendre. Allez, crève, bâtard. Ok, c'est bon. Jaune de mort, le boss, il est où? Il est là. Pas encore. Ok. Il n'y a plus que le poison, moi j'ai bientôt le berserk, je le finis, ce bâtard. Allez, c'est parti. Il est où? C'est lequel, le vrai? Là-bas, merde. Ah là, salopard. What? On se TP à l'autre boost, salaud. Salaud! Le peuple aura ta peau! Voilà! Ah non, il est pas mort. Ce n'est pas encore prêt. Ok. La machine. Pookie, il tourne tout le temps, il DPS tout ce qui est autour. Le focus marche moins, c'est ça. Surtout que sur un mob qui faisait des clones, c'était pas ouf, quoi. Ah ouais, je vais vite, c'est clones. Il faut encore attendre. Ok. Je frappe encore plus fort. Bon. 100 victimes. Ah ouais, les 100 victimes qui font la moitié du level, quoi. Délire. Ouais. Ok, on se casse Pouk. Alors, next. 5 sur 12, les gars. 5 sur 12. Nekarat. Acte 4. Nekarat. Nekarat. Il est où, Jean-Jacques? Il est là. En vrai, ça avance bien. Hein. Ça avance bien. Parti. En point de paragon, on va en mettre. Ah oui, on est niveau 50 de paragon là. Ça enchaîne vénère. Hein. Ouais, oui, c'est pour ça. Putain, mais sans doute. Oui, sérieux lui. Il est arrivé, mais tard. Oh, je me suis barré. Hein. Ah, on peut pas. Putain. Ça avance même plus que bien pour la découverte de la saison. La découverte des saisons ever. Et ça c'est beau. Ça là, j'ai trop hâte d'avoir le 6 pièces. J'espère vraiment que c'est puissant. Je me rends pas compte ce que ça fait 2000% en soi. Je suppose que je vais latter des culs, mais bon. J'espère. Toi ton 6 pièces, tu l'as compris ou pas, Pookie?
Pas encore. C'est pas très dur. Et ça va faire mal. Les compétences de Blaze infligent 27500%. Tu vas marcher sur l'eau, ouais, j'espère. Au moins. Au moins.